Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Oh, un coffre. Non, de Star Wars The Old Republic. Hop. Tiens, bouffe. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort, j'ai dit. Voilà, merci. Hop, toi aussi. Donc, un tas de cadavres. Un pas de truc. Coffre sécurisé, j'ouvre. Et j'y trouve un holo de l'histoire de la République. D'accord. Et un petit sac de matériaux. Je te le dis. C'est un truc de technicien, d'accord, qui est un élément blanc que je vais donc virer. Vu que vous pouvez voir que je suis en manque d'espace. Ah, taillot, le pauvre. L'humiliation que je lui ai mis. Allez, voyez, je pouvais aller par là pour finir la quête. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Vas-y, fais-moi ce plaisir. Crac. Ah, y'a un truc en haut qui est apparu encore. Cadeau. Plus les cadeaux sont beaux, plus ils rapportent de l'influence. Chaque partenaire apprécie des types de cadeaux différents. Consultez les profils de vos partenaires dans le codex pour connaître leurs préférences. D'accord. Vous pouvez obtenir des cadeaux lors de missions de compétences d'équipage. Vous pouvez également en acheter auprès de marchands. D'accord. Ce qui ne me dit pas du tout à quoi sert l'influence réellement sur mes amis. Bonjour. C'est pour un sondage. Je peux avoir un petit peu de... Ah, je suis pas à portée, d'accord. Boum. Et ça c'est fait. Ah non, même pas. Là c'est fait. Voilà. Crac. Merci. Ça te prie. Salut les filles. Alors j'imagine que le chef... Ah non, c'est un chaman classique. Je veux dire que le chef il est forcément sur la colline. Mais non. Mais ça vaut le coup d'aller vider l'endroit. Ça vaut le coup de vider l'endroit. Taillot. Aïe, ça m'a fait mal celui-là. Couchez sale bête. Couchez sale bête. Tiens, ça t'apprendra toi aussi, tiens. Allez bien. Hop, ça c'est fait. Crac, sur toi, tu avais plein de choses, mais rien de bien intéressant, pour le moment. Ok. Héron, héron, petit patapon. Le penseur. Hop. Crac. Toi, t'es mouru aussi. Crac, merci d'être venu. Tissu aborigène toujours. On va aller voir le déchiqueteur là-haut. T'avais un coffre, un truc, un machin, un bidule. Non. Je suis vexé. Tiens, meurs. Oh, je suis vexé. Oh bah alors là, oui, là je suis triste. Tristouné limite. Oh, je m'attendais à un truc plus intéressant. Vaincre les déchiqueteurs, base technologique. J'en ai buté à mon paquet de déchiqueteurs, je veux pas dire, hein, mais... Faut pas exagérer non plus, quoi. Bon, j'imagine que la quête est buggée. Techno-ramasseur et rapineur, d'accord. J'en ai pas vu un seul dans la grotte. Donc forcément... C'est pas bon. Déchiqueteur, déchiqueteur, pilleur. Ah, pilleur. Non, c'est... Ah si, c'est ceux-là. Cool. Bonjour. Je vais vous décimer. Oh, c'est exactement la même grotte que tout à l'heure. C'est quoi ce bordel? Merci. Par contre, j'aimerais bien que ça repop un tantinet. Pour être sûr d'avoir le nombre. Hop. Ok. Chamanka. Tiens, on va pouvoir descendre par là. Hop. Bonjour. Je suis là. Je t'ai surpris. Allez, je m'en doute. Viscères fruités. Des viscères fruités? Ah bah oui.
Donne-moi des viscères fruités. Plus de crédit. D'accord. Bon bah je vais virer ça, hein, tant pis. Oui, je vire un objet à la place d'un... Hop. T'apprendras, et là tu es mort. La quête bonus est accomplie. Tout est en règle. Vous pouvez circuler. Il est temps d'aller voir un maître guerrier. Ouh. Bonjour. C'est pour un sondage. Anal. Ah, il a surv... il a pas pris le... Tiens, bouffe. Crac. Voilà, ça t'apprendra. Ouh. C'est jaune. Ah, un objet de quête. En train de me dire que c'est ça, c'est juste un objet de quête. Je me suis fait eu. Le jeu m'a eu. Bonjour. Oh. Salut. Heureux de servir l'ordre Jedi. Eh ben, je t'en prie. Tu veux bien venir avec moi, j'espère. Cache de technologie. Prendre les armes ou saboter la cache de technologie. Je vais prendre les armes. Avec tout ça, les Twi'leks pourront se défendre. C'est pas parce que c'est le côté clair, hein. C'est juste parce qu'on m'a tellement léché les boules. Ah, content de voir le Jedi capturé par les déchiqueteurs, plus besoin d'aide. Capturé. Reprenons, mais plus doucement. Droïde de reconnaissance du Jedi. Paramètres, explorer les territoires sauvages et identifier les dangers. Boulon en travers T7, défectueux. Capteur T7, incapable de détecter l'embuscade des déchiqueteurs. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont capturé? Pourquoi est-ce que les déchiqueteurs t'ont amené ici? Intéressé par la technologie, tes droïdes astromécano perfectionnés plus grande valeur. Oh! À simuler les activations et à étudier une caméra espion, à enregistrer des conversations. C'est le mec qu'on a battu. Quand allons-nous attaquer les Jedi? Patience, Calef. Les Jedi tomberont lorsque notre armée aura atteint sa pleine puissance. Donc il a un menton à fossette. Enregistrement T7 utile. J'ai d'ailleurs emmené T7 en sécurité, plus enlever le boulon en travers. Bien sûr, je vais l'enlever. Je n'ai jamais compris l'utilité des boulons en travers, de toute façon. Enlever. Rayon d'analyse de T7 amélioré. Déchiqueteur, souci à se faire maintenant. Oh merde. T7 prêt. Ok. Roland de la matriarche. J'ai un copain. J'ai un copain. C'est mon partenaire. Je t'aime. Partenaire. On sait peu de choses sur T7 à son scénario. Il aime les Jedi, les actions moralement justes, vaincre l'Empire, il n'aime pas maîtriser les autres, tuer des innocents, le manque de respect envers l'autorité. Paramètres Jedi, soin, tank, soin, soin. Demandez à ce partenaire de vendre les objets de basse qualité de votre inventaire. Merde, je pensais qu'il allait rester. Pourquoi t'es parti, mon ami? Remarque, ça peut être pratique. Bon, on y va. Ah, il revient dans 44 secondes. Cool. Ah, c'est génial. J'adore ce jeu. Enfin, sur certaines choses. Parce que c'est vrai que c'est un MMO, j'ai plus le temps pour les MMO maintenant, chers amis. Mais, enfin, sur ce principe-là, c'est... Oh, c'est épique. Par contre, j'ai toujours pas d'infos sur le... Dans le codex, ils avaient dit. Ah oui, le codex, c'était... Je sais plus. Le codex, c'était... un personnage important. Ah bah cool, il a plein de trucs de soins, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ok, forteresse galactique, démarrage. Construisez votre chez-vous dans Star Wars. D'accord, il y a du housing, ce qu'on appelle littéralement le housing en termes de MMO. Pourquoi pas? Alors par contre là ça va avoir repop, potentiellement, vu qu'on est dans une zone qui est hors de l'instance. Voilà, tout à fait. Ce qui va rendre le combat par contre 100 fois plus simple, hein. Bon, on verra. Oh, je t'aime toi. Dis donc, dis donc, dis donc. Eh, je vais... Ah, si, je suis à portée. Génial.
Merci pour le heal. Oh, ouais, 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 tu te permets pas d'attaquer mon droïde. Mon droïde est à moi. Pas à toi. Il y a que moi qui a le droit de lui taper dessus. Hop. Voilà. Sabre. Ouh. Couleur incolore. Cristal de couleur rouge. Requiert obscurité 1 ou plus. Oh merde. Oh merde, je peux pas l'utiliser. J'en prie. Il avait les yeux blancs. Bonjour. Ah ouais, carrément. Je peux pas parler, je suis muet. T7, reviens. Ah, j'ai un T7 avec moi. Non, je rigole, c'est débile. Voyage rapide. On va faire ça comme ça, ce sera 100 fois plus simple. Hop. Bon bah non, pas voyage rapide. Non, non. Le boss. Marcus, le boss, t'aurais pu battre le boss. Bon, c'est pas grave. Général, carrément. Ça va les chevilles. Fais chier, j'ai le sabre mais je peux pas m'en servir. Puisque je suis pas obscurité 1 ou plus. J'imagine que ça correspond à dans la fiche de personnage. Lumière, vous voyez. Faut que je sois par là. Fait chier. Bon bah je vais le vendre. On tient la meilleure boutique des environs. Demandez, on a. Réparer. Tout. Merci. Faites attention à vous. Hop. Tout mon inventaire a été réparé. Il serait peut-être temps que je devienne un vrai sabre laser. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Ah, cinématique. Elle est morte dans mes bras. Tu aurais dû voir ce que ces monstres lui ont fait. Je suis désolée, Célou. On partage tous ta peine. Pour chacun des nôtres que les déchiqueteurs ont tué, on devra en tuer 10. Non, 100. Est-ce que ça ramènera ta femme à la vie? Je n'ai que faire de votre morale, Jedi. Ma femme est morte. Notre peuple a été massacré. Que faisiez-vous quand ça s'est produit? On récupérait des armes pour vous. Pour que vous puissiez vous défendre. Enfin, un des vôtres qui nous comprend. Donnez-moi ces armes. Non. On va pourchasser les déchiqueteurs. On se vengera. Vous mourrez si vous... Vous êtes sous le choc. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est un blaster. Laissez-moi m'occuper des déchiqueteurs. Ta femme ne... Je ne peux pas mener quelqu'un sur le chemin de la vengeance. La vengeance, c'est le chemin des Sith. Je promets qu'on mettra un terme à ces attaques. Côté obscur. Beau travail, Padawan. Merci, maître. Il ne se sent peut-être pas mieux, mais au moins il ne s'attirera pas d'ennui. Les gens se demandent pourquoi les Jedi ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils ne savent pas que les liens sont une source de souffrance. Les émotions passionnées peuvent détruire quelqu'un. Et les Jedi détruits par la passion deviennent des choses horribles. Des Sith. T7 a été capturé par les déchiqueteurs. Les holos enregistrements qu'il a fait vont vous intéresser. Pendant que je m'occupe du droïde, va parler à Rana. Est-ce qu'il a une fente sur le menton? Non, il en a pas. Ce n'est pas lui. Nous aider. Grâce à toi. Alors, ce serait pas la première fois qu'on voit un... Qu'on voit un chevalier Sith ou un... Enfin, un chevalier Jedi slash chevalier Sith a changé, modulé sa voix pour répondre aux ordres de quelqu'un d'autre. Grâce aux armes et à la technologie que vous avez prise au déchiqueteur, mon peuple pourra se défendre. Tant mieux, vous c'était fait pour. Vous avez risqué votre vie pour nous aider. Mon peuple n'a pas eu de champion depuis longtemps. Séduire? Non. Non, non, tu serais une bleue, pourquoi pas, mais non. Non, 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 non. C'est un honneur de servir. Les Jedi ont le devoir de protéger et de défendre autrui. Et on a promis de partager notre savoir en échange de ce devoir. Les éclaireurs disent que les déchiqueteurs rassemblent leurs forces. Ils contrôlent déjà les montagnes qui nous entourent, et maintenant ils envahissent les ruines de Kaleth. Mes hommes les ont repérés dans les ruines de l'ancien tombeau, pas très loin de votre temple Jedi. Kaleth D'accord. était une grande ville d'utilisateurs de la force. D'où l'attaque. Il y a dans ces ruines des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore. Les déchiqueteurs cherchent quelque chose là-bas.
On ne peut pas les laisser trouver ce qu'ils cherchent. Il faut immédiatement repousser ces déchiqueteurs. Je dois ramener ce droïde au conseil. La personne qui se couvre le visage dans l'hologramme. Je connais sa voix. La situation est plus grave que je ne le pensais. Fais ce qu'il faut pour repousser les déchiqueteurs hors de Calette. Je t'enverrai des renforts dès que je pourrai. Je résisterai jusqu'à l'arrivée des renforts, maître. Si tu croises l'homme au visage masqué de l'hologramme, ne l'attaque pas. Maintenant, vas-y. Premièrement, l'équipement. Plus d'armure ici. Oh, j'ai enfin une tenue qui ressemble à une tenue de Jedi. Ça, c'est bon. Ok. Premièrement, en termes tactique militaire, il faut résoudre le problème du... On va appeler ça le campement des ennemis dans la ville de la Force. Kates. Ah bref, dans la ville en question. Parce qu'ils sont trop proches et que du coup, on est forcément une cible prioritaire pour eux. Un ennemi qui a un campement à côté de ta ville posera rapidement des problèmes. Puisqu'il pourra assiéger tout ce qui est... Je vais regarder sur la map. D'accord. Je vais aller là. Simplement parce qu'il pourra prendre les ressources arrivant jusqu'à ta ville, etc., etc. Donc en termes militaires, il est intéressant de résoudre le problème du campement. Je doute que ces bestioles arrivent à utiliser des pouvoirs de la force mystérieux de cette cité. Par contre, oui, s'il y a effectivement des sites et des sites avec eux, là, il y a un danger qui est réel et normalement, je pense pas qu'on enverra un padawan seul. Mais bon, apparemment, je ne suis pas n'importe quel padawan d'après le début de l'histoire. Qu'est-ce que tu es, toi ? Reposez-vous ici, mon ami. L'air est frais et les sentiers dans la montagne sont dangereux. Les mots sont inutiles quand la force est avec vous. Parlez, je vous en prie. J'aimerais tout de même entendre vos mots. Alors restez, et nous parlerons quelques instants. Je m'appelle Dozon. Je surveille Calette, et j'emprunte les sentiers qui l'entourent. Je médite sur mon échec, et je retrace notre passé. Quand j'étais un padawan, je suis venu à Calette. Ici, j'ai approché la tentation et le côté obscur. D'accord. Depuis cet échec, j'agis à travers les autres Jedi. Beaucoup m'ont aidé à apprendre des choses sur l'ancienne Titan. Je pense pouvoir régler ça. Je suis honoré par votre offre, merci. La tâche est difficile, mais aussi apaisante. Je regarde Calette de loin, mais je ne la touche jamais. En demandant aux autres de marcher là où je ne peux aller, je vois les choses... Oh, l'ombre, l'horreur de l'ombre pixelisée. J'ai récemment entendu parler d'une chambre cachée dans les hautes contrées de Calette. Une chambre essentielle pour une machine de Titan. J'aimerais beaucoup rétablir son énergie. Les vieux manuscrits la décrivent comme un lieu de connaissance et de parole. À part ça, je ne sais pas à quoi elle sert. Mais elle ne devrait nuire à personne. Privée d'énergie, la chambre a dormi pendant des millénaires. Mais il y a des droïdes qui fonctionnent encore dans les ruines. Vous devriez pouvoir utiliser leurs cellules énergétiques pour alimenter la machine. C'est une bonne idée. Je ferai de mon mieux. Alors allez vous occuper de ce jardin électrique. Plantez les graines des droïdes dans la terre de la machine. Ensemble, on découvrira les secrets des Titaniens. Ok, très très bizarre comme quête, hein. Héroïque de plus, c'est une mission de groupe. Les objets de mission peuvent être activés directement dans le suivi des missions. Lors d'un combat, barre d'accès rapide ou dans l'inventaire, ok. Héroïque plus 2, 2 plus. Voilà, donc faut être 2 ou plus pour réaliser cette mission, apparemment. Ok. Marchand de Steam. Service médical. Si tu le dis. Méfie-toi dans les ruines de Calette Padawan. Cette zone est dangereuse pour tous ceux qui s'y aventurent. D'accord. Rien de plus, rien de moins que des informations. Ben écoutez, allons-y. La 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 la.
Attendez, peut-être un... Non, bah, de toute façon, maintenant que j'ai un vendeur, entre guillemets, itinérant, ça peut être un peu plus pratique. Où est mon Jedi? Où est mon... mon ami? C'est pas là-dedans. Partenaire. Ah merde! Ah, il a récupéré mon ami! Oh merde, j'avais un super copain! C'était extrêmement pratique! Ah, c'est dommage, j'en suis où dans l'épisode? 20 minutes, on a encore quelques minutes devant nous, chers amis, vous inquiétez pas. Ah, c'est con, j'avais un mec génial avec moi et on me l'a enlevé. C'était mon ami! C'était mon ami! Ok. Ouh. Bonjour. Bizarrement, vous ressemblez plus à un Sith qu'à un Jedi. Selon moi. Bonjour les filles, vous faites quoi ici? Vous discutez alors qu'il y a moult ennemis devant vous, bien sûr, mais c'est logique, excusez-moi, j'aurais dû... C'est un droïde. Récupérer les cellules d'énergie. Ok. Boum. Et c'est fini. Donc c'est pas eux qu'il faille que... Enfin qu'il faut que je batte. Force ennemie. D'accord, il faut que j'aille directement dans le temple. Pourquoi pas. Donc moi pour la quête principale il faudrait que j'aille là. Mais actuellement, il faut que j'aille ici. Alors, rongeur d'os vorace. Rien de bien méchant pour l'instant. Rien qui nécessite en tout cas deux joueurs. Hein. L'avantage de jouer un personnage tank, moi je m'en rappelle dans WoW, en tout cas c'était le cas, c'est que je pouvais sans trop de problèmes m'attaquer à... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bonjour. M'attaquer à des groupes sans avoir à craindre en fait. Ah merde. C'est pas un passage? Ah bah si. Sans avoir à craindre réellement. Comment dire? De devoir encaisser des dégâts. On va dire ça comme ça. J'ai des steam packs, je vais quand même les mettre. N'est pas assez élevé pour que... Oh putain. Heureusement que je vérifie. Qui c'est qui passe la tondeuse dans le jeu? Ok, on y va. Grimpons, grimpons, grimpons. Grimpons, grimpons, grimpons. Ok, on est bon. Ok, il y a que des bleus. J'ai réussi à les abattre, mais je ne pourrais pas battre d'autres groupes. Là, je pense qu'on est... On a compris le problème. Là, ça ne va pas le faire. Donc, tout ce que j'ai dit au niveau des tanks juste avant ne sert à rien. Ok, j'aurais bien aimé du coup avoir mon droïde avec moi. c'est la dèche. Je peux pas me permettre de faire des combats où j'utiliserai toujours des objets de soins, hein. Ça ne me plaît pas. Non seulement ça ne me plaît pas, mais en plus je trouve pas ça cool en termes de combat, si je puis dire. Donc eh ben écoutez, on va s'entraîner sur les petits, hein. Je t'avais pas vu, toi. Excuse-toi. T'as pas eu le temps. Donc là, on a vraiment pas le niveau. Hein. Apparemment, le jeu a l'air d'être très restrictif en termes de niveau. Hein. Parce que tout à l'heure, on a vu le boss qui avait juste 1,5 niveau de plus que moi. Et peut-être, ouais,
Malgré tout, j'ai quand même de l'équipement de tank. Et il m'a mis une dérouillée, mais alors sévère. Ou alors il prend en compte le fait que, de base, un joueur solo n'est... Excuse-moi, je t'avais pas vu. Un joueur solo joue quand même avec un partenaire, peut-être. Peut-être ça qu'il prend en compte. En compte, pardon, je ne sais pas. C'est un poil dommage. On va se remettre là et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!